Bonjour Maria Saadé. Bonjour. Donc, j'étais venu il y a un peu plus d'un an en Syrie pour faire un petit documentaire où on vous voit notamment à Sennaya et un petit peu sur Damas aussi. Et du coup, j'aurais aimé savoir l'évolution depuis un an de la situation en Syrie entre mon documentaire et aujourd'hui, savoir si l'évolution est plutôt positive ou négatif par rapport à la situation Actuel. actuelle, voilà, c'est ça. Moi, je vois que à chaque année, on résiste comme peuple syrien contre cette guerre d'agression. On envisage de plus en plus des hauts niveaux comment disons, il augmente la seuil. De la guerre contre la Syrie, à tous les niveaux, c'est-à-dire à niveau armé, au niveau armé sur le terrain, le niveau économique, le niveau des ressources principales, des ressources essentielles pour la vie du peuple syrien. Alors, c'est une guerre à tous les niveaux. C'est une guerre, où il y a un terrorisme de plusieurs sortes et formes et genres contre le peuple syrien. D'accord. Donc en fait, plus le peuple syrien résiste et plus on va dire, Plus l'agression est l'agression, tout à puissante. fait. Et D'accord, ok. plus. Donc ça, on va dire que ça s'améliore pas. Là, actuellement, c'est-à-dire ça s'est empiré. Tout à fait, tout D'accord. à fait. Mais de toute façon, le moral du peuple syrien est très élevé. Et Voilà, c'est ouais. ça c'est très bien. Ouais. On peut avancer avec ce changement de la guerre. On peut résister. Et je vois qu'on a c'est pas seulement le désir, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est La on a la volonté, volonté, voilà, la volonté. exactement. On D'accord. a la volonté de continuer et de résister. Voilà, donc ça, du coup, c'était ma prochaine question. C'est-à-dire, quand j'étais en Syrie, moi, j'ai vu que le peuple déjà, avait toujours sourire. C'est-à-dire, malgré tout, malgré ce que le peuple syrien endure, avait toujours sourire. Et surtout, avait une volonté et croyait en la victoire. C'est-à-dire que la défaite était imaginable, en fait. Donc voilà, du coup, ils sont toujours dans cet esprit-là. C'est-à-dire que le peuple syrien est toujours dans cet esprit de vouloir préserver sa Il a culture. toujours l'espoir. Voilà, toujours Il l'espoir, a c'est ça. toujours l'espoir de passer cette période de l'histoire. Et moi, je vois qu'il y a une adaptation avec les changements qui passent, mais d'une volonté vraiment imaginable. D'accord. Donc moi, ce que je souhaite, c'est forcément, c'est que le peuple syrien retrouve la paix. Donc, Espérant. on essaye de diffuser un peu on donne la parole au peuple syrien. Et j'espère que je retourne donc en Syrie très prochainement et pouvoir rapporter des images, Espérant. voilà. Espérant. Et moi, je vois que la société syrienne, pendant la guerre, elle est plus active maintenant, elle est plus ouverte et elle a plus comment disons, ils ont beaucoup plus d'énergie à une étape qui va venir, c'est l'étape de la Voilà. reconstruction. Ils ont plus ouvertes et avec une accumulation d'expérience au niveau public et comment on peut participer avec la construction, pas seulement matérielle, la construction humain, Psychologique, tout à fait. psychologique, de l'individu au niveau éducatif. Alors,
dès maintenant, ils sont très actifs. Et ils commencent à faire quelque chose pour le futur, malgré la situation difficile de la guerre. D'accord. D'ailleurs, aujourd'hui, là, on se trouve à l'ONU. Donc, il y a des conférences autour de la Syrie. Pensez-vous que ça va changer quelque chose, ce genre de conférence ici ? Malheureusement, le scénario se répète. Ouais, se répète depuis 6 ans. Mmh. Et qui se répète aussi dans plusieurs régions, pas seulement en Syrie. Mmh. En Irak, c'était la même scénario. Et on voit qu'ils ont accusé l'État irakien d'utiliser des armes. Ils ont accusé l'Irak d'utiliser l'arme de destruction massive. Voilà, c'était ça. Et après 15 ans, ils ont dit que la guerre contre l'Irak s'est basée sur des rapports injustes. Alors, une destruction massive à un État et attaquer un peuple irakien complète, et à la fin on dit excusez-nous, c'est le rapport était injuste. Ouais, ça. Donc ouais, le scénario est assez similaire exactement, pour la Syrie. Tout exactement. À fait. Alors on voit que l'ONU aujourd'hui c'est une organisation soumise aux États qui dirigent la guerre contre la Syrie. Et est devenue une organisation qui exécute et qui couvre le niveau juridique de cette guerre. Il légitime les prétextes de la guerre. Alors, la question c'est jusqu'à quand cette crédibilité, entre parenthèses, de cette organisation. Tout à fait, parce que là, on voit, on a l'impression, quand on voit un peu ce qui se passe, c'est assez partial. Et du coup, ça valide donc ce qui se passe en Syrie, et c'est pas le ressenti que j'ai eu quand j'ai voyagé en Syrie. C'est-à-dire que ce que j'entends là, c'est pas ce que j'ai vu sur place. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Tout à fait. Et surtout de se baser en basant sur des rapports. Qui vient seulement d'une partie qui ne réside pas en Syrie depuis longtemps. Alors, ils ont détaché complètement de la situation actuelle, de ce qui se passe en Syrie, et la réalité qui est en Syrie aujourd'hui. Ben, merci pour tous ces éclaircissements. Merci bien. Bon courage merci. Pour la suite. Merci.